Coucou! Petit test vlog. Dans le fond, je vais voir si je peux éditer cette vidéo-là pour YouTube, pour sur mon laptop. Alors, je vais essayer de faire un vlog complet, essayer de l'éditer. Moi puis Luna. Luna, qui coucou! On s'en va faire de la randonnée aux chutes à bulles. Dans le fond, c'est à 1h20 à peu près d'ici. Je viens de pogner un lunch IGA rapidement. J'adore mon chien. Genre, je l'adore. Je l'ai changé pour rien au monde. Mais ce qui m'énerve en ce moment, c'est qu'à cause d'elle, qui court partout, et oui, elle a encore besoin de beaucoup d'entraînement, je peux pas aller, genre, hors sentier. Elle s'en mêle à tout. Puis genre là, j'ai comme une belle rivière plein de roches. Plein de roches. Tu sais, que je pourrais aller sur la rivière. Mais elle va me faire tomber dans l'eau. Genre, attendez, je vais vous montrer. Je pourrais aller marcher sa rivière, prendre de belles photos du ruisseau, de la petite rivière, genre, toutes. Mais la curieuse, je peux pas. Ça va être méchant, mais au moins, je vais juste pouvoir aller prendre mes photos, puis elle me fera pas tomber dans l'eau. Let's go! Je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis en randonnée, c'est fromage quick-quick. Genre, c'est comme une tradition. Luna! C'est tout en main. C'est vraiment ce fromage? Je sais, c'est pas la meilleure affaire à donner à son chien, mais elle aime toujours ça une fois de temps en temps. Une petite récompense. Luna? Oui, hein? C'est bon, hein? Ouais. On a un beau soleil, il faisait genre 12-13 degrés. Parfait! Avec cette vue magnifique! Allô, Luna? Hein? Tu fais non? Assis? Tu fais-tu des trucs pour la caméra? Tourne? Oh oui! Oh oui, bravo! Moi, je sais pas filmer, alors. Un moment donné, je vais voir ce qu'il faut pour faire des vidéos, peut-être. Mais j'ai hâte de voir la suite. Il y a peut-être d'autres affaires, j'ai pas regardé la carte. J'ai eu haut sur le belvédère avec une magnifique vue. Je suis fatiguée. Genre, je suis pas une personne qui fait souvent de la randonnée, mais j'essaie d'en faire plus. Puis, sans rien dire, mais gérer avec ce petit monstre qui jappe après tout le monde, puis de temps en temps qui oublie qu'il faut pas qu'elle jappe, etc. Eh ben, c'est épuisant. Puis, genre, je croyais que ça allait être moins long que ça. Puis, ben, j'ai pas emmené mon sommeil, j'ai juste emmené des collations. Alors, j'ai comme pas un lunch complet. Mais je suis quand même contente d'être venue. C'est tellement beau, genre. Attendez. On voit bien. On va pas. Je vais relaxer un peu en haut. J'ai emmené un livre et ma Nintendo 3DS, genre Gamer on the Wild, pour relaxer un peu en rendu en haut. Puis on va voir. Ok, trop content. Oh, c'est tellement beau, genre. J'ai envie de rester ici, genre. J'aimerais une maison ici. Puis l'air est tellement fraîche. Puis j'ai récolté en même temps du thé des bois pour faire du thé pour le rhume, pour mes parents. J'aime pas la menthe, alors ce sera pas pour moi, mais c'est pas grave. On en récolte un petit peu en même temps. Si jamais vous faites la randonnée, puis vous avez la chance de trouver du thé des bois. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le thé des bois, et mangez pas ça si vous êtes vraiment pas sûr, genre, chez vous, à des photos, quoi que ce soit. Alors, on va vous montrer ça. Non, Luna! Mais c'est vraiment le fun. Alors, on cueille une feuille seulement. Et pour savoir qu'est-ce qu'il faut, c'est que... Hey, je sais pas m'expliquer, puis je perds mes mots en ce moment. Mais cette feuille-là, c'est facile de savoir que c'est vraiment ça, tout simplement. Parce que quand on la brise,
supplément. Ça sent la gomme à la menthe, la menthine. Alors, seulement, prenez une feuille qui est genre vraiment belle, comme celle-là en dessous, là. Il y a plein de points noirs, alors c'est peut-être pas la meilleure. Elle dit qu'elle est malade. Mais si vous trouvez une belle feuille, vous pouvez vous faire du thé avec ça, genre, ça sent vraiment bon. Genre, mettez ça au pied dans votre auto comme sans bon naturel. Puis, dans le fond, pour chaque plante que vous voulez cueillir, cueillez juste une feuille par plante, juste pour protéger la plante, tout simplement. Mais c'est quand même quelque chose qu'on trouve en abondance. Et que vous pouvez, oups, excusez, récolter facilement et sans bon du thé pour à la maison, pour le rhume aussi. C'est vraiment le fun, genre, juste se promener, regarder ce que vous pouvez récolter. Et c'est sûr, faites attention dans les parcs, on peut pas récolter n'importe quoi. Et mais c'est vraiment genre fun de savoir tout ce qu'on peut manger. Genre, je connais pas toutes. Je sais que celle-là, c'est une des rares que je me souviens à cause de son odeur forte. Mais il y a tellement de choses qu'on peut manger en ce moment dans la forêt. J'espère l'année prochaine, je vais sûrement en apprendre un peu plus encore. J'essaie d'en apprendre une nouvelle plante à chaque année. Mais c'est quand même un danger à chaque fois, alors il faut faire attention. Mais celle-là, c'est une que je suis sûre à cause de sa magnifique odeur. Mais celle-là, elle est pas bonne. Alors c'est ça. J'en ai une qui est bon, mais le pain est mouillé, puis ça me lève le cœur. C'était meilleur la dernière fois. Je crois ça va être l'heure de faire une sieste. Je suis épuisée. Genre, mon corps est mort. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait. Désolée, il y a un chien qui jappe dans le fond là-bas. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas fait, genre, de l'exercice comme ça. J'étais allée me chercher des fruits, je sais pas pourquoi, après, de la randonnée, genre, je suis pas une personne qui mange beaucoup de fruits, mais les fruits, genre, sont meilleurs que des bonbons, puis je suis une personne qui est vraiment là-dedans sucrée. Genre, j'aime beaucoup, genre, après une randonnée, j'aime beaucoup les ananas. Puis même les melons d'eau, mais c'est parce que les melons d'eau, je suis un peu difficile. Mais... c'est ça. Puis là, je me suis mise sur une halte routière sur le bord d'une rivière que je vais vous montrer après. Mais c'est l'heure de la sieste. Puis même, j'aimerais ça pouvoir genre switcher le côté de la caméra pendant que genre je filme. Mais même Luna est accrochée, je l'ai mis après ma cheville. Puis on a une belle petite vue ici avec du vent. Je me suis quand même mis mon ventilateur parce que j'ai chaud. Puis je veux pas ouvrir. What the f... C'est quoi ça? Il va mourir. T'es jusque là. Non. C'est moi qui cognais. Elle est vraiment trop protective. Genre, j'ai vraiment genre mon petit matelas. J'ai genre mon setup, j'ai mon ventilateur juste ici, on va resumer. J'ai ma petite table qui a même un petit. C'est ici, alors je peux mettre des affaires par-dessus. La bouffe, bien sûr. On s'est acheté des bains tantôt, mais ils sont pas fameux. Puis c'est possible d'avoir framboise, mais j'en trouve pas dedans. Bien sûr, un sucre à la crème pour du sucre rapide dans le sang. Toujours utile. Si vous faites de l'hypoglycémie, je crois que ça s'appelle. Et des gâteries pour le chien. Bien sûr, j'ai un sleeping bag si jamais je dois dormir. Mes vestes. Bien setup dans mon char pour faire une bonne petite sieste. Puis j'ai même des affaires en dessous qui sont cachées, mais j'en ai pas de besoin en ce moment. Puis je sais que je suis en sécurité, j'ai mon chien. Alors, comme vous pouvez voir, je vais juste taper à la fenêtre puis elle capote un peu. Alors, bonne nuit.